Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Xan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, donc un nouveau petit match en Pokémon Showdown dans le tir au U contre Roshan. Voilà, je vais t'appeler Roshan tout simplement parce que ton nom est un peu what the fuck. Donc voilà, donc qui est un abonné sur Skype. Donc on a fait un petit match au U, donc il testait une team un peu en fait dans la même optique que la mienne, c'est un peu une hyper offense en fait, c'est une team qui n'est pas destinée à Stal en fait, à part donc son, alors je ne sais plus du tout comment il s'appelle, l'Evoli Ténèbres, voilà, on va l'appeler comme ça, je ne sais plus, et Noctali, voilà, à part Noctali, donc voilà, qui pouvait un peu être chiant, on va dire, un peu pour moi, comme pour moi, donc le Nymphali, mais au final vous allez voir que je le joue très très différemment que les sets de base. Donc je sais pas si c'est un set de base ou c'est quelque chose qui est bien joué, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà, c'était un match bien fun, et donc du coup je comptais vous le faire voir, et c'est parti. Donc je reviendrai à team après. Donc je commence avec mon petit champignon, donc il me fait Brave Bird. Moi en fait j'avais pensé qu'il allait faire U-turn, du coup je me suis dit quoi qu'il envoie, il va se prendre un sport et on est bien. Du coup il l'a pas fait, mais là il va switch donc sur Latios, donc je le roi avec Rock Bond simplement parce que grâce à Technicien ça monte la puissance à 90. Et donc en plus ça réduit le speed, donc c'est cool. Je switch sur Nymphali parce que je savais pas trop qu'est-ce qu'il allait faire. Tant mieux, il fait Draco Meteor. Moi j'ai fait Shadow Bolt et je finis donc le Nostanfer. Il va envoyer son Mamouchon, je vais envoyer Talon en pensant qu'il allait faire Séisme ou je sais pas trop en fait. Donc bon, il pose les PDR, je fais U-turn en anticipant le switch, donc pas sur le Noctali mais le switch simplement. J'envoie mon Nymphali, il va faire un petit tour de Protect et je vais faire Hyper Voice. Il va décider de switch sur son Mamouchon, oui voilà, sur son Mamouchwine, voilà. Donc je lui pète sa ceinture force et je vais envoyer celui-là pour mourir tout simplement, et je vais envoyer Galam, et là ça va être la bonne partie pour Galam parce que j'avais anticipé le switch. De toute façon il allait pas me faire énormément de dégâts vu qu'il allait faire Richard pour mettre un peu de dégâts. Du coup je place un sub, je place une danse drago, une danse flamme excusez-moi, et donc là c'est parti quoi. Galam donc il n'est pas rigide, qui est joli. Donc du coup ça fait des dégâts quoi, donc je le tue avec Shadow Sneak. Je pense pas qu'il... Shadow Sneak, c'est vrai qu'on le voit plus sur Galam, mais pourtant moi je trouve ça tellement bien. Donc je joue Close Combat, Sub, Shadow Sneak et Dance Slam. Donc là je ne tue pas son Mega Galam, mais je lui mets à 17% de vie, et je le termine avec mon Excadrill Choice Scarf avec Séisme. Là il va renvoyer son Umbreon, du coup il va Protect, et je vais donc là en fait je pensais qu'il allait faire Protect mais non. Du coup bon, je vais essayer, j'ai obtenu le crit. De toute façon c'était pas bien décisif parce que même s'il arrive à me tuer Excadrill derrière, j'avais quand même Flambusard pour venir le RK facilement avec Rapace. Donc voilà, donc ma team est vraiment, c'est vraiment une super team que j'adore. Donc voilà, donc je vous l'avais pas encore présenté, donc je souhaitais vous la présenter. Donc voilà, donc pour la team, donc Flambusard Choice Band, donc il est toujours aussi bon malgré qu'il a un autre set, donc un peu plus défensif, avec Rose Bulk Up, Will-O-Wisp et Bryce Burn, donc vous savez, le full DSP, full défense, full PV, et donc qui tank plutôt bien, un peu comme le Arcane défensif. Mais le Choice Band du coup fait toujours autant de dégâts et les gens s'attendent plus à voir le nouveau set, du coup voilà, ils anticipent pas forcément, enfin de toute façon il fait énormément de dégâts, donc voilà quoi. Ensuite donc Champignon Focus Slash, donc qui a ceinture force avec Mach Punch, donc pour avoir une petite priorité, Rock Bolt, donc qui est Tomb Rush, donc comme je l'ai dit, donc ça fait moins de dégâts que Lame de Rock ou que Rock Slide, mais pour moi c'est la grosse particularité, excusez-moi, que avec Technicien, donc comme vous savez Technicien est un quelque chose qui augmente de 50% les attaques qui sont à 62 puissance ou moins. Du coup Tomb Rush tombe là-dedans. Enfin, rentre dans cette chose. Et donc, du coup, ça fait un 90. Donc, c'est toujours moins puissant que Lame de Rock. Mais ça a la particularité de baisser d'un niveau le speed. Et c'est plutôt cool. Donc, voilà. Ensuite, bon, le Mega Galam. Donc, Sub, Dance Slam, Shadow Sneak
et Close Combat, vraiment un super set. Vous pouvez remplacer Close Combat par Drain Punch. Enfin, c'est pour combiner avec Sub pour récupérer un peu de vie. Mais moi, Gallum, voilà, il est pas vraiment défensif pour moi. Donc voilà, il tape, mais il reçoit pas. Ensuite, donc Nymphalie, donc Lunette Choix. Donc voilà, j'avais envie de tester Lunette Choix. J'avais beaucoup tenté de tester le def avec les restes, mais du coup le Lunette Choix est pas mal. Avec Hyperboy Shadow Balls, donc pour toucher un peu tout, surtout le Mega Metalos, PC Feu, donc pour Ferro et Mega Sizer, enfin Sizer, même si on le voit plus trop en ce moment. Voilà, bon, il y a des périodes. Hein. Et je le joue également en dernière attaque avec. Je sais plus, donc on peut également jouer PC Sol, mais bon, vu que derrière j'avais mis Top Choice Scarf avec CI, c'est cool quoi, on est bien. Le dernier move, donc Hyper Voice, bah oui, Psyshock, voilà, donc Psyshock, on est bien, ça pose, c'est pas mal quoi. Ensuite, donc Minotaur, donc Choice Scarf, Séisme, Rock Slide, Iron Head et dernier move, Rapid Spin. Et pour avoir au cas où un deuxième Rapid Spin, donc. Staros, oui, Staros. Non, ou Starry. Non, c'est Staros, lui, oui, c'est Staros. je sais plus trop les noms. Donc, Rapid Spin. Donc, lui, c'est un peu le def. J'ai voulu tester quelque chose, mais bon, c'est pas tellement bien. Mais bon, moi, je le trouve pas trop mal. Avec Leftovers, pas mal de PV, full PV, full vitesse. Avec Rapid Spin Recover, donc qui est soin. Tonnerre, donc tonnerre pour on sait jamais, vu que j'avais pas trop de, enfin ouais, j'avais pas de move électrique, donc je trouve ça pas trop mal, et Scald, voilà, pour brûler au cas où. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, je savais pas trop quand même, puis bon, c'est assez sympa d'avoir un Poké qui tape, qui est très rapide, qui tape plutôt bien, qui a la possibilité de burn avec Scald, et voilà, qui a accès à une attaque tonnerre, voilà. Bref, donc j'espère que ce petit match vous a plu. N'hésitez pas, donc comme d'hab, à me dire qu'est-ce que vous pensez de la team, qu'est-ce qui aurait un peu à changer. Donc je vous rappelle que c'est une Hyper Offense, donc c'est normal qu'il n'y ait pas trop de stall. Voilà, il y a beaucoup de Poké à sacrifier du coup. Au final, j'ai perdu qui? Bah, j'ai perdu ma Mega et Chapignon. Au final, Staros, vous l'aurez pas vu, mais bon, c'est pas bien grave, j'essaierai peut-être de la rejouer dans un autre match. En tout cas, merci à toi, Rochen, voilà, d'avoir fait ce petit match. C'est vraiment super. D'ailleurs, n'hésitez pas, donc si vous voulez m'affronter sur Showdown ou que ce soit sur cartouche, à me laisser vos codes amis. J'ai vu que dans les anciennes vidéos, il y avait beaucoup de gens qui laissaient, enfin, il y avait des gens qui laissaient leurs codes amis, qui m'avaient dit ajoutez moi ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc dans le commentaire, dans le descriptif tout simplement de cette vidéo, je mettrai mon code ami, vous m'ajoutez, vous me laissez le vôtre, je vous ajoute à votre tour, à son tour, et on fait des matchs, voilà, même si vous n'avez pas forcément les tiers, parce que je sais que sur console, voilà, il y a des gens qui n'ont pas des tiers spécifiques, qui ont plus des poké comme ça, un peu what the fork, hein. un peu comme moi quoi. Voilà, qui a envie de tester, Donc je serai content de faire des petits combats contre vous, également sur Showdown d'ailleurs, hein, si vous avez des teams, si vous êtes un pur stratège, je ne sais pas, ou même que vous soyez juste débutant, ça me fera plaisir de jouer contre vous. Et pourquoi pas faire un petit match, voilà, donc ce match et le petit match UU que normalement, oui, j'ai toujours, que je n'ai pas encore posté, bah si, elle sera postée, je pense, au moment où vous aurez vu celle-là. Bref, voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas donc à m'ajouter sur l'ADS également. Donc j'ai fait un peu de vide, donc normalement ça devrait aller. Et également à m'ajouter sur Skype si, voilà, j'aime bien faire les matchs, on va dire, en même temps sur Skype. Donc voilà, ça permet un peu de changer. Et voilà, tout simplement. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Xa, à plus tout le monde.